Nous sommes ici dans l'application Windows Starface pour Starface 8 et je vais vous donner un bref aperçu de la structure de l'interface. Ici, directement dans la barre latérale, vous pouvez basculer entre les espaces de travail appelés. Ceux-ci contiennent les widgets qui sont regroupés par thème. Ainsi, vous trouverez tout regroupé ici pour les appels, les chats, les réunions vidéo, etc. Ces 6 espaces de travail sur la gauche sont prédéfinis et sont inclus dès l'installation. Vous pouvez également créer vos propres espaces de travail. Nous expliquons comment cela fonctionne dans une autre vidéo. Une autre zone importante est la zone de focus, que vous atteignez en cliquant sur votre avatar en haut ou sur la cloche de notification. Comme son nom l'indique, vous avez des choses importantes en focus là-bas. Par exemple, vous pouvez définir votre statut de chat ici, sélectionner le téléphone ou configurer le renvoi d'appel. Enfin, en haut de la barre supérieure se trouve le champ multifonction, également connu sous le nom de recherche. Vous pouvez entrer des noms ou des numéros ici et démarrer un appel directement avec ce bouton. Ce bouton a également une fonction de numérotation rapide. Vous pouvez cliquer directement dessus et sélectionner l'un des derniers numéros pour rappeler. Vous trouverez plus de conseils utiles sur knowledge.starface.com. Par exemple, nos manuels y sont également disponibles. Merci de votre attention. À la prochaine fois.